On va expliquer ici comment utiliser quelques outils informatiques pour le calcul des structures en béton armé. Ces outils, ils sont disponibles dans le document partagé ou bien dans le dossier partagé avec vous. Et vous pouvez les installer facilement sur votre ordinateur. Le premier outil, c'est PyBAR, la version 3.1. 24. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous allez l'installer très facilement. À la fin de l'installation, vous allez avoir un raccourci sur votre bureau avec deux poteaux. Bon, pour faire faciliter ou bien pour faciliter un petit peu les la présentation, je vais juste un instant. Voilà, pas ici, mais voilà. Donc, lorsque vous allez installer le PyBAR, vous allez recevoir bien, cette fenêtre. C'est la fenêtre de PyBAR. Et pour l'utiliser, je vais définir tout d'abord le problème que je vais résoudre ici. Le problème, je vais supposer que j'ai cette fois-ci une poutre voilà la poutre que je vais étudier un exemple de bois donc je peux ajouter ici par exemple une console je vais supposer ces différentes dimensions la première travée. Je vais supposer que c'est 6 mètres, ici 4 mètres, et la console, disons, c'est 1 mètre 50. Sur cette poutre, je vais supposer que j'ai une charge uniformément répartie comme ça, puis comme ça. Et disons ici la même chose ici. Donc ici, j'ai deux types de chargement. Permanente, variable G1, Q1. Deuxième travée, G2, Q2. Et la console, la même chose. G2, et Q2. La même chose. Pareil. Et pour la deuxième partie de l'exercice, je vais peut-être ajouter une charge concentrée. Donc, ça sera après le calcul. Donc, peut-être que je vais ajouter après une charge P. Mais pour le moment, charge uniformément répartie. Je vais supposer que j'ai des sections qui sont variables, pas toutes les mêmes. Donc, ici, le prédimensionnement. Il va je vais supposer que la section ici, disons Clefi, Riesetin, à l'arbatage, donc alors vite fait.
42, 45. Marteau 50. Donc c'est un prédimensionnement. Ça va être 50 cm. C'est-à-dire, c'est seulement pour la première carré. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Hein. Voilà. La deuxième travée, kif-kif, donc 40 sur 14. 2,8 28, n'a pas ah. de tessine. Ok, dès qu'un tessine, je suis plutôt en carré match, tu vois, les rectangulaires. Allez, un carré. Ou le console, je trouve qu'il fait bzapt. Donc, le console, n'a pas bzapt. Qui fait? Donc c'est un exemple d'une poutre. Bien sûr, c'est le calcul des charges marqué Charlie, mais qui fait cette charge G, c'est-à-dire charge G, c'est-à-dire, mais je compte faire le poids propre de la section F. Donc mais je peux faire la descente de charge, mais avec un blabla une séance de calcul de descente de charge. On a un exemple, on a le calcul de son charge et ça fait ça. Analyse G1, déjà fait la charge, le poids propre, la section heavy. Kif-kif, G2, fait la section heavy. On va faire kif-kif. Donc, colonne, bonjour, fion, le poids propre. Le poids, c'est une charge qui est permanente. Le calcul, c'est bon, donc Najm, ton hash, toi qui fais le poutre heavy. On calcule à la pi bar. Comment je veux calculer cette poutre avec pi bar? Je m'attends à calculer cette poutre. Et une hash. Les diagrammes collent. Oh, le diagramme, hash nabi. شيكون تاع هذا المومون فليشيسون الوغ نعرف باغ اكسبيريونس الكونسول ديما المومون فليشيسون فيه نيجاتيف وفي الطرافي شيكون هنا بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف دونك نيجاتيف على لابوي و بوزيتيف دون لي طرافي دونك على خاطرش نخرجوا احنا ديغرام دي مومون fléchissant, c'est pour déterminer le ferraillage que je vais mettre dans la poutre. Cette poutre, ça va être ferraillée en acier longitudinal de cette façon. Donc ici, cette poutre. Le moment maximal, c'est un calcul acier. حتى هنا المومون هذا في الترافي الثانية باش كالكل بيها سي باش تحط لهنا اي لي زوطخ مومون المومون نيجاتيف على بي هذا باش كالكل بيها سي باش تحط اون شابو والمومون هذا من لهنا كلكل بيه لاسي باش تحط فوق لابوي على الكونسول دونك دون سيت بوتر جي بوزوان دو كالكولي ام
dans la travée U. M sur l'appui, donc il y a l'appui Hadaïa 0, l'appui Hadaïa 1, l'appui Hadaïa 2. Donc M sur l'appui 1, ici M travée 2, et M sur l'appui 2. Quatre moments, Poutrefi. Ces quatre moments qui vont me permettre de calculer l'acier dans la travée U, l'acier dans l'appui 1, l'acier dans la travée 2 et l'acier dans l'appui 2, le renard sur l'acier dans cette console. Quatre moments, dis-moi, colo négatif, console, moment positif, donc l'acier, le col, me fourre. Fibre supérieure. Maintenant, la CRD, Chigi, Lenno. A1. Fil travée Fenia, travée 2, dans la travée 2, l'acier, il va être ici. Bon, j'ai mis 3 fils, mais je vais le calculer à tenir, etc. Ah là, on va trouver bah, tel est l'acier. Donc, normalement, je dois dessiner quelque chose qui est comme ça. Donc, l'acier. Là, j'allume 3 travées, 4, 3 fils. Le moment réel, l'acier qui se trouve ici, il est là. Donc, voilà le but. Ensuite, les sollicitations que je dois trouver aussi. Ma sollicitation qui va me permettre de calculer l'acier transversal. L'acier transversal d'une poutre, il est déterminé en calculant un autre effort, en moment fléchissant, et maintenant c'est l'effort tranchant, V de X. L'effort tranchant dans une poutre de cette façon, de ce chargement, donc type d'une valeur ici, un des valeurs à gauche, une autre valeur à droite, on parle de valeur à gauche, valeur à droite, et X à l'anna. Donc, je cherche quelques bien les valeurs de l'effort tranchant là. Bon, là, il y avait 0 droite. V à l'appui 1, la valeur est à gauche. V de l'appui 1 à droite. V de l'appui 2 à gauche. Et V de l'appui 2 à droite. Donc, qu'est-ce que je vais calculer avec ces efforts tranchants? Je vais calculer les armatures transversale et la vérification des appuis. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais commencer à calculer ces éléments-là par pi bar. Le calcul manuel, normalement, on va utiliser la méthode Kako. Donc, normalement, les conditions de la méthode forfaitaire ne sont pas applicables. Et surtout, méthode forfaitaire, même ça, ça ne marche pas. Le résultat de la donc, la méthode de Kako. Donc, la méthode de Kako, pour la faire, on doit définir des types ou bien des cas de chargement. Smart a des cas de chargement. Donc, le logiciel. Donc, quand on a une poutre qui est comme ça, travail fait des charges permanentes. Ou la définition des charges permanentes, dit même aujourd'hui. Ou femme des charges variables. Donc je vais dessiner en rouge les charges permanentes et je vais prendre une autre couleur et ou des charges variables. Donc ce sera Q1. Ou ce sont les charges variables Q2, la constante. Donc, je nomme les possibilités de combinaison que je vais avoir. La première possibilité,
شكون هذه شارجي وهذه شارجي كيف كيف وهذه شارجي لي تخوا ترافي سون شارجي اش معناتها شارجي شارجي معناتها فما لا شارج بارمانونت موجوده ومعها لا شارج فاريابل موجودين كيفاش نقول كلهم موجودين هك الكاس الثاني باش ناخذ هذه كيف كيف تبقى شارجي اما هذه باش نحطها دي شارجي والاخرى شارجي اش معناتها هذه دي شارجي معناتها لهنا فما كان شارج بيرمانونت دونك هنا شارج بيرمانونت شارج فاريابل وهنا فما شارج بيرمانونت وشارج فاريابل وفي الترافيروس الثانيه فما كان شارج constant charge permanente charge variable je suppose elle est nahat donc في الكاه هذايا باش تلقى دي مومون في الترافي لنا الكاه هذا هو اكثر دونك كيفاش نعمل كومبينيزون دو شارج باش نلقى لي كومبينيزون لي بلو دي فافورابل لي سوليسيتاسيون لي بلو دي فافورابل يجوني بار دي كومبينيزون دونك لي كومبينيزون لازم نعملهم الكل والكومبينيزون الثالثه نجم نعمل أكثر من هذوم اللي هما اللي بس سينيفيكاتيف هذه باش تكون ديشارجي وهذه باش تكون شارجي وهذه ديشارجي شاملت الا كان شارجي قبل رديتها ديشارجي ولا كان ديشارجي رديتها شارجي اي انسي دو سويت كان جاو عندنا اربع ترافي اربع ترافيات نفس الشيء نزيد هكا ونولي هذه الاخرى ديشارجي شارجي اكسيتيرا ولا هذه كيف كيف شارجي دي شارجي دونك احنا نو سوم ici dans le troisième cas donc il y a permanent برك وهذه permanent variable وهذه seulement permanent donc bien sûr les charges permanentes les charges variables c'est en fonction aussi l'état limite dans lequel on travaille donc il y a quand je n'ai qu'un fil état limite service le chargement P, P service, je compte seulement G et Q. Mais quand je n'ai à l'état limite ultime, P ultime, il y a 1,5 G plus 1,5 Q. Quand je n'ai ultime, quand je n'ai service, c'est en fonction des fluctuations. Donc, une condition à calcul, il y a le type de fissuration. Donc, reste le calcul de béton armé. Calcul de béton armé, ils ont une fissuration. Mais pour le moment, pour le calcul de cette poutre, ils ont un calcul dans les deux états limites, ultime et service. Ben, donc, ce sont les données du problème. Donc, quel est le problème Tana, comment résoudre ce problème en utilisant pi bar. Donc, voilà maintenant pi bar. Et je vais utiliser ce logiciel pour le calcul. Donc, je vais mettre une pause pour la vidéo. Et comme ça, je suis connu à la vidéo Barca Felacher. Je suis connu une série de vidéos. Enfin, partie où la a le problème chinois. Deuxième partie, pi bar. Troisième partie, BAOL. Troisième partie, en quatrième partie, les tableaux. Donc je vais poser.